pour le troisième jour des festivités organisées dans le cadre du couronnement de Charles III et de Camilla, les Britanniques étaient invités à partager un moment de convivialité et d'entraide ce lundi 8 mai. Une règle à laquelle Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, n'ont pas dérogé. Ainsi, la famille s'est rendue à Slough, dans le Berkshire, afin de prendre part à la rénovation d'un camp scout. Tir à l'arc, peinture, cuisson de marshmallows et travaux physiques étaient au programme de cette journée. D'après les déclarations des autres volontaires dans le Daily Mail, le clan royal a pris du bon temps. Ils étaient très bons au tir à l'arc et semblaient vraiment s'amuser, a remarqué l'un d'entre eux. Une observation confirmée par les clichés pris lors de cette journée spéciale. Alors que le prince William était aux commandes d'une pelleteuse avec ses fils George et Louis, la princesse Charlotte excellait au tir à l'arc. Puis, les trois enfants se sont mis à l'œuvre en transportant du sable dans des brouettes pour le prince Louis, en peignant des meubles en bois pour la princesse Charlotte ou en réparant des structures, également en bois, pour le prince George. Une fois le travail accompli, la famille royale s'est prêtée au jeu des photos de groupe et à une partie de cuisson de marshmallow que le prince Louis semblait grandement apprécier. Supérieur à supérieur à George, Charlotte et Louis, tir à l'arc, peinture et marshmallow. Ils font craquer les Britanniques 52-0-0-0 événement prévu. Le palais de Buckingham aura fait les choses en grand. Après la cérémonie du couronnement et le concert à Windsor, ce lundi 8 mai était réservé au volontariat, le Big Help Out. Tout le pays a été mis à contribution et plus de 52 000 événements ont été organisés au Royaume-Uni. Plus de 33 000 organisations caritatives, dont les plus connues du pays telles NSPCC, l'ARCHPCA, le National Trust, le NELA et la Croix-Rouge britannique, ont pris part au Big Help Out. Ainsi, les membres de la famille royale auront rejoint les plus de 6 millions de Britanniques qui, d'après un sondage relayé par le Daily Mail, avaient manifesté leur intention de participer aux initiatives mises en place. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Léal Daniel Pafoto Abaka.